grasses green and buffaloes roam. Come see Jimmy, room called Jim, but room to Jim and your cousin Jim. Come on, Jimmy, cause he needs a bath, and your grandpa Jimmy has to come down. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim, Jim Buffalo, now Danny, you know. Jim, Jimmy, Jimmy, get your last cigarettes. It's Buffalo Peace and it's so kind of where. Bienvenue dans ce second épisode des vlogs du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis ravie d'ouvrir cette vidéo parce que ça y est, on est en octobre, on entre dans le vif du sujet et j'adore cette période. Donc je vais ouvrir les hostilités aujourd'hui avec un petit book haul que j'avais envie de partager avec vous qui est assez inattendu. J'ai reçu deux livres, j'avais envie de les partager avec vous parce que c'est parfait pour cette période puisque en premier lieu, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo recommandation, mais j'ai eu la magnifique édition des 30 ans de The Secret History, donc le maître des illusions de Donatarte, qui est relié comme ça avec de la toile sur le côté, du fer chaud, enfin il est absolument magnifique. Hop, il fait vraiment vieux bouquin et je suis tellement heureuse de l'avoir parce que c'est vraiment l'un de mes livres préférés. Alors je vous en ferai une vidéo dédiée encore une fois, mais c'est vraiment un livre qui a marqué un tournant dans ma vie de lectrice et d'être humain. Et je le voulais vraiment en VO, mais je trouvais jamais une édition qui me convenait. Et là, je suis vraiment heureuse de l'avoir dans cette très 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 belle édition qui est toute douce en plus. J'aurais vraiment plaisir à le relire en version originale. Mais voilà, je suis tellement contente. Et l'autre livre, c'est celui-ci que j'ai pas encore ouvert, il est sous blister. C'est Memento Mori. C'est un livre qui parle des rites et des traditions funéraires, je crois, à travers le monde, si je ne me trompe pas. C'est un très très joli livre. Je vais l'ouvrir tout de suite. Je sais pas à quel point on peut montrer des choses comme ça sur YouTube, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de crânes et d'ossuaires. Voilà, je sais pas à quel point c'est glauque de montrer ça ici et à quel point ça peut trigger des gens, donc je vais pas le faire. Mais ça a l'air d'être très très intéressant, puis c'est vraiment un bel ouvrage avec plein de photos, ça a l'air passionnant. Voilà, donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai un petit peu plus feuilleté, que je me serai un petit peu penchée sur son cas, mais il est tellement beau, enfin bref, je suis tellement contente. Moi j'ai des devoirs à faire, et puis après je pense que je me choisirai une nouvelle lecture, et je continuerai peut-être aussi ma petite citrouille en crochet que j'essaye de faire depuis quelques jours, donc on se retrouve bientôt. J'ai voulu me faire un thé et je me suis dit je vais prendre, enfin goûter un des thés que j'ai eu dans les box que j'ai commandé cet été. Problème. Problème, je ne sais pas lequel choisir. J'ai fait une présélection, je ne sais pas lequel choisir. Ça m'énerve. Donc je me fais un thé et je reviens vous voir après. Oui, bon d'accord, peut-être que j'ai un petit problème. Tout petit. Coucou. Ou recoucou, j'imagine, parce qu'à moins que j'ai fait une grosse bêtise et que j'ai perdu des rushs ou fait mon montage n'importe comment. C'est pas la première fois que vous voyez ma tête dans ce vlog, et je vous retrouve aujourd'hui avec une petite infusion qui sent bon la cannelle, qui sent vraiment très très bon la cannelle, pour vous faire un petit update lecture, puisque vraiment je lis à nouveau. Et vraiment ça paraît stupide parce que vraiment bah, c'est une chaîne de livres en fait, mais j'ai vraiment eu une telle période à vide en termes de contenu culturel, que ce soit des films, des séries, de la musique, des livres, j'arrivais pas à découvrir de nouvelles choses, et c'était vraiment très frustrant que là, de lire, en plus de lire des romans, ça me fait un bien fou, si vous saviez. C'est presque frustrant finalement, parce que j'ai un tel besoin de me remplir d'histoires et de mondes et d'univers nouveaux que j'ai du mal à accepter que je n'ai pas le temps et que je suis qu'un être humain avec des performances qui sont déjà bof bof en tant qu'être humain. Donc voilà, je peux pas tout lire et je peux pas lire assez vite pour me contenter, mais j'ai quand même lu des trucs cool. Bref, trêve de bavardage, on se retrouve pour ce petit update lecture. Et je commence donc avec L'étrange vie de Nobody Wins. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je l'ai terminé et j'ai passé un super bon moment. C'était une belle lecture, alors c'est très jeunesse. Je pense que ça aurait été un coup de cœur si je l'avais découvert plus jeune, mais par contre c'était vraiment un très très chouette moment. Il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu, simplement le fait de citer les personnages qui sont des fantômes en précisant entre parenthèses leur date de vie et de mort et leur épitaphe. Je trouve que c'est super inventif et super drôle. Le personnage de Nobody Wins est ultra attachant, il est vif, il est foncièrement bon aussi. Il est
Voilà, il est super touchant et j'ai même versé ma petite larme à la fin du livre, donc je pense que c'est un pari réussi pour Neil Gaiman. Mais j'ai changé d'ambiance dans ma lecture suivante avec The X-Hex de Erin Sterling. Le bip du camion. T'es tupi ! Ça a marché. Trop bien. Quelle coïncidence. Bref, on est dans une toute petite ville aux États-Unis, un petit peu à la Star Zolo. Je vais tout brûler. Je vous préviens. Je vous le dis tout de go, je suis fâchée. Vous avez vu ma citrouille ou pas? Regardez ma petite citrouille en crochet, trop mignonne. Bon, elle est pas parfaite, mais elle est toute moelleuse et c'est très satisfaisant à faire. C'est mon activité en ce moment. Je fais ça en regardant un film ou en écoutant un livre audio. Enfin bref, je crochète des choses. J'ai 150 ans, mais c'est trop mignon. Et surtout, vu que je sais faire que ça en crochet, je pense que je vais juste passer ma vie à faire des citrouilles en crochet toute l'année. Voilà, je vais faire une réserve, comme ça l'année prochaine, je vais en offrir à tout le monde, ce sera super. Bref, je vous retrouve pendant mon petit thé du matin, dans mon petit chaudron Hocus Pocus que j'adore, pour vous faire un update lecture, parce que je sais pas s'il y aura des séquences de ma précédente tentative qui date d'il y a à peu près une semaine, mais j'étais dans mon décor avec ma bibliothèque et tout, et il y avait des travaux juste devant ma fenêtre. Donc vraiment, après une heure à m'interrompre toutes les 3 secondes, je me suis énervée, j'ai tout coupé. Donc je sais pas ce qui restera de cette heure, mais bon, on verra bien. En tout cas, je me fais un petit thé noir amandes, épices et cerises, qui est clairement un thé de Noël, hein, c'est pas grave. Mais ça marche à toute saison, ce genre de thé. En plus, c'est chouette parce qu'il y a des toutes petites paillettes, alors vous verrez pas, sinon je vais tout renverser. Mais il y a des toutes petites paillettes dorées dedans, donc c'est un thé super magique, j'adore. C'est vraiment un thé super réconfortant. Bref, du coup, point positif, cette update lecture sera un petit peu plus conséquente que la précédente tentative, puisqu'entre temps j'ai lu des trucs, et des trucs très très cool. Donc je vous fais un petit update et on discute encore un petit peu après. Je crois qu'on s'était laissé sur Nobody Wins, que j'ai adoré vraiment. Et donc ensuite, vraiment juste après, j'ai dévoré en 2 jours The X-Hex de Erin Sterling. Que j'ai lu un petit peu en audio, un petit peu en numérique, donc je vous mettrai une image ici puisque je l'ai pas physiquement et c'est pas plus mal parce que c'est pas un livre que j'aurais voulu avoir dans ma bibliothèque, je pense. Et surtout, je pense que c'est un livre que j'aurais lâché très très vite si je l'avais pas commencé en audio. Je l'avais vu passer à la base sur la chaîne de Darling Daisy, que j'adore, et puis dans le dernier vlog d'Alex Bukinan Prada, et je suis contente de m'être plongée là-dedans parce que ça m'a vraiment fait la lecture d'un week-end en fait, et c'était vraiment hyper... Voilà, c'était super léger, c'était drôle, c'était un peu une lecture plaisir coupable, pour être honnête, parce que pour vous faire un petit peu le résumé de cette histoire, on découvre Vivienne, qui se fait appeler Vivi, ce qui m'énerve prodigieusement, d'ailleurs je tiens à le dire, je trouve ça nul. Bref, Vivienne, qui habite dans une petite ville aux États-Unis dans laquelle les sorciers cohabitent avec les humains, sans que les humains soient très très au courant, et il se trouve que quand elle avait 19 ans, elle a vécu une histoire d'amour très brève mais très intense avec un héritier d'une éminente famille de sorciers gallois qui ont en fait fondé la ville dans laquelle elle habite. Sauf que ils ont rompu dans des circonstances vraiment pas terribles et le soir de la rupture, elle se met une cuite avec sa cousine et elle décide de maudire ce garçon qui lui a brisé le cœur. Sauf que donc pendant 9 ans, lui étant retourné au Pays de Galles, la malédiction n'a pas du tout de prise sur lui jusqu'au moment où il revient dans cette petite ville et que là la malédiction s'abat sur lui et va s'étendre à toute la ville, donc il va falloir trouver un moyen de défaire cette malédiction et donc vont se greffer dessus tout un tas de petits problèmes et puis surtout une espèce de romance qui renaît, une espèce de enemies to lovers mais en même temps de anciens lovers qui redevient lovers, enfin voilà, bref. C'est kitsch à souhait, vraiment. Moi on me l'a vendu en me disant oui c'est un peu Gilmore Girls tout ça, bon c'est une petite ville. Là, c'est un peu, c'est là que je vois le lien. Clairement, moi, j'ai plus vu... Alors, au niveau de l'ambiance de la ville, avec le côté très femme de la famille, parce que Vivienne, elle vit avec sa tante, enfin, elle est très proche de sa tante et de sa cousine, donc il y a ce côté un petit peu, famille matriarcale, que je trouve très chouette, et qui me fait un peu penser aux ensorceleuses, donc qui est vraiment
J'adore les ensorceleuses, donc ça a bien marché avec moi. Après, ça me faisait penser un petit peu à la série, comment ça s'appelle? Good Witch, un soupçon de magie. Voilà, si ça vous situe un petit peu l'ambiance, c'est très gentil, quoi. Voilà, c'est un peu cheesy, c'est un peu... vraiment, ça me fait un peu lever les yeux au ciel régulièrement, mais en même temps, c'est pas désagréable. C'est vraiment, ça détend, quoi. Tu prends ton cerveau, tu le poses à côté de toi, tu profites un petit peu, puis après, tu le reprends quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et voilà, moi, j'ai passé un bon moment. Il y avait des scènes extrêmement sulfureuses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, par contre. Là, ça fait pas du tout un soupçon de magie, c'est pas trop tout public pour ça. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Je critique parce que, voilà, c'est vraiment... J'ai trouvé ça un peu concon. Mais... J'ai quand même passé un super bon moment et ça m'a fait bien rire. Et surtout, je l'ai dévoré en fait. Je peux dire tout ce que je veux, je l'ai bouffé ce livre. Je l'ai commencé en audio en voiture et ça a été parfait pour ça. C'était vraiment le fait de l'avoir en audio en fait. Je pense que je me suis laissée prendre, je me suis laissée embarquer. Si je l'avais lu de manière traditionnelle, même en numérique, hein, mais je veux dire, si je l'avais vraiment lu avec mes yeux lus. Je pense que j'aurais lâché très très vite parce que ça m'aurait gavé. Mais là, c'était sympa. Je tentais l'expérience. C'est une lecture assez marrante. La lecture suivante, c'est un énorme coup de cœur. Donc vraiment, on va être sur de la voix qui tremble et du je trouve pas mes mots. Et vous allez comprendre parce que quand j'aime un livre à ce point, j'en parle très très mal, toujours. Mais c'est pas grave, vous aurez l'idée un petit peu. J'ai découvert Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et Max Gladstone. Et j'ai pris une énorme claque en fait, à laquelle je m'attendais pas du tout. Puisque j'avais pas du tout prévu de lire ce livre, et il se trouve que je suis tombée dessus en numérique. Et je l'ai commencé, et en fait il y a un passage où je me suis dit, ok en fait il faut absolument que j'aie ce livre en version papier, il faut que je l'aie, que je puisse le feuilleter, la noter, le prêter, l'aimer comme il se doit, parce que ce livre, je l'aime foncièrement. Voilà, je pense qu'il... je perds mes mots, voilà, ça y est, ça commence. Vraiment. Il s'est élevé très très haut dans le top des livres qui m'ont le plus touché ces derniers temps, je pense. C'est d'une beauté incroyable, c'est écrit merveilleusement bien, c'est déroutant, c'est vraiment une lecture très déroutante par laquelle il faut accepter de se laisser porter. Je pense qu'il faut lâcher prise à un moment. Et c'est ce que j'avais pas compris en fait quand je l'avais en rayon et qui m'intimidait un petit peu. Je pense qu'il faut pas être intimidé, il faut se laisser faire, il faut se laisser embarquer complètement et ça vaut vraiment le coup d'œil. On va suivre une correspondance entre deux personnages qui appartiennent chacune à un camp opposé d'une énorme guerre qui fait rage dans l'univers tout entier. Elles vont voyager à travers le temps, à travers l'espace, et elles vont se laisser des messages en fait. Et de ces messages va naître une romance qui est sublime, qui est très très bien écrite, qui est touchante, et qui m'a touchée d'une manière que je m'attendais pas du tout. Et c'est poétique, c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que... Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une lecture dont les mots me touchaient. C'est-à-dire que c'était délicieux. Mais littéralement, je veux dire. En plus, il y a des moments où ça parle de nourriture. Donc vraiment, il y a ce côté gourmandise de la langue qui est absolument fabuleux. Je perds mes mots, vraiment. J'ai été touchée énormément par ce livre. Et donc, je vous le recommande chaudement. Et je pense qu'on en reparlera de celui-ci parce que vraiment. Ça fait du bien d'aimer un livre comme ça. Voilà. Je vous laisse là-dessus, mais je suis perdue tellement j'aime ce livre. Voilà, je suis perdue. Fort heureusement, pour me consoler de cette lecture qui, bien que j'ai essayé de la faire traîner sur le plus de temps possible, a bien dû s'achever un jour, j'ai découvert La Sorcière d'Élise Fontenaille, édité chez les éditions du Rouergue. C'est un livre que vous avez vu passer, je pense, 1237 fois sur la chaîne d'Anna, donc Journal d'Anna ou Anna in Books sur Instagram. De toute façon, comme d'habitude, il y aura ces liens dans ma description. Je suis très très contente d'avoir découvert ce livre qu'elle affectionne particulièrement et dont je me dis à chaque fois, il va falloir que je le lise un jour quand même. C'est chose faite et c'était vraiment une très très chouette découverte. Je l'ai lu très très vite puisque vraiment il fait une centaine de pages donc ça se dévore en une soirée. C'était une belle surprise qui prend une forme à laquelle je m'attendais pas non plus, donc vraiment que de lectures surprenantes ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une brodeuse qui habite dans une petite maison reculée dans la forêt et qui va, par une nuit de tempête terrible, découvrir une jeune femme enceinte sur le point d'accoucher qui est très très mal en point. Et donc la brodeuse va la recueillir chez elle et l'aider à accoucher. Malheureusement, la jeune femme va mourir quelques heures après avoir donné naissance à sa fille en lui disant « Pour dernier mot, tu me vengeras ».
Et donc la brodeuse va prendre soin de cette petite qui a des cheveux roux flamboyants et qu'elle va appeler Garance et qu'elle va élever comme sa propre fille puisqu'elle-même a perdu son enfant. Donc on va voir grandir Garance avec la brodeuse, entourée de leurs animaux et de leurs amis assez singuliers qui sont un homme aveugle, une gitane et un musicien qui ont tous des dons un petit peu particuliers et je vous laisse découvrir la suite parce que c'est très très court mais ça vaut le détour. J'ai passé vraiment un bon moment parce que c'est écrit comme un conte en fait qui serait fait pour être lu à voix haute. Alors je sais pas si c'est le cas mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en fait en le lisant. On a l'impression que c'est un texte qui est pensé pour être entendu, pour être transmis de manière ancestrale. Vraiment le jour où quelqu'un veut que je lui lise cette histoire à voix haute, mais je signe direct parce que c'est hyper agréable en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour. J'avais même des images au début en tête de presque de théâtre de marionnettes en papier. Tellement c'est délicat et ciselé. C'était vraiment beau et on a vraiment l'impression que c'est un texte qui n'est pas destiné à rester un texte papier figé. Et j'ai trouvé ça super agréable. En plus, il y a des choses assez violentes hein, dans cette histoire. Et pourtant, c'est jamais vraiment écrit de manière violente. Il y a toujours une espèce de douceur, de recul en fait par rapport à ce qu'on lit, qui donne, je pense encore, cette impression de conte. La narration a une place à part entière, en fait, comme si c'était un personnage à part entière. Et c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, je me range à la vie d'Anna. Lisez La Sorcière, c'est une chouette histoire. C'en est tout pour mon update lecture, je vais commencer, j'ai commencé un petit peu mais je commence enfin Les Fées de Cottingley de Sophie de Villepromois et Sébastien Pérez. C'est un livre que j'avais trouvé d'occasion encore une fois, je vous en avais parlé en book haul je crois, qui est très 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 joli donc je vous le montrerai. Et voilà, j'ai commencé cette lecture, je vous en dirai des nouvelles bientôt, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Peut-être que vous aurez encore quelques plans après, mais je pense que c'est le dernier face cam. Et on se retrouve dans le prochain. J'ai envie de vous faire 2-3 vidéos, donc je vais essayer de retrouver un petit peu d'inspiration, un petit peu de temps pour filmer et pour monter. J'espère que votre automne se passe bien, que vous découvrez des belles lectures aussi. Moi j'ai vraiment adoré retrouver le goût de la lecture, et je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais lire des romans, surtout parce que là j'ai presque pas lu de livres avec des images, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas tous les jours que ça arrive quand même, et je passe des beaux moments de lecture, j'ai l'impression de renouer avec mon amour des mots, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que c'était un bon moment. En tout cas, moi j'ai aimé filmer ce vlog, je crois. J'aimerais pouvoir filmer plus, en fait, plus naturellement. Je sais que je le dis souvent, je me demande toujours comment font les gens qui arrivent à faire un vlog en parlant directement, parce que moi je n'y arrive pas du tout. J'ai du mal encore à être spontanée, en fait. C'est pas top, mais voilà. Je vous retrouverai plus tard pour le prochain vlog d'automne et du Pumpkin Autumn Challenge. Il va quand même bien falloir que je me penche sur cette liste parce que pour l'instant je suis en roue libre au niveau de mes lectures, mais je sais pas trop dans quelle catégorie mettre quoi, donc je verrai bien pour ça. Et voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à m'envoyer un DM sur Instagram si vous voulez, il y aura les liens en barre d'infos. Il y a mes chroniques aussi que j'écris pour Froggy's Delight, si vous voulez voir, c'est mis à jour régulièrement, donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos tout ce que je mets, les liens, les trucs comme ça. À bientôt.